Bonjour tout le monde, ici Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien aller. On poursuit l'aventure du jeu Industria Live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Bon, la dernière fois, on était rendu ici. Plus de balles de ça. 6 balles de ça. Voyons. Oh, il y a un escalier. Non! Ah, c'était laid, ça. Méchant jump laid. La sauvegarde automatique, là, il y a que je n'ai rien de sauvegardé, là. C'était là, ça. Pourquoi t'as un vol plané dans les airs, toi? Bon, c'est là que je t'ai rendu tantôt, c'est là que je t'ai rendu la dernière fois. Bon. Je comprends pas comment ça, j'ai fait un saut aussi laid. Bon. Ok. À quel endroit je pourrais aller avec ça? Ouais, c'était bizarre ça. Okay. Tout perdu.
Okay, c'est pas là. Ok, mais j'arrive de par ici, me semble. Ici. Okay. Y a rien, toi. Cette machine-là, elle sert à quoi? C'est des machines. C'est des machines empilées qui servent à rien. Peut-être par ici. Non, t'es là, t'arrives, réveille. C'était laid. C'était laid! Ça, j'ai ça quand je trouve pas. Suis sûr que c'est même pas loin en plus. C'est quoi ici? Non, je suis curieux pareil.
Y a rien à toi. On va continuer, on verra ce qu'on... Essayez de voir ce qu'on a pas quelque chose qu'on a manqué. Bon. Et ici qu'on peut venir. À moins, il faut revenir sur nos pas. Mais je trouverais ça bizarre quand on sauvegarde. C'est que je me rappelle pas ce qu'il y a en arrière. C'est 2 jours, 3 jours, j'ai pas 2 jours, j'ai pas joué. Fait. Ah, oh, calice. Non, et ça, c'est bloqué. Peut-être pas. Okay, mais j'aurais tout fait ça juste pour aller chercher une manivelle. Une manivelle que j'ai aucune idée où mettre.
Chose qui fait pas de sens pour moi. Je comprends pas pourquoi faire qu'il faudrait en viendrait ici, mais il me semble pourquoi qu'il y aurait juste ça. Ça. Oui, il va puis la porte est de... Il a ouvert cette porte-là, je comprends pas. Elle est déjà ouverte. Il y a juste des casiers de toute façon, je comprends pas pourquoi. Hey, j'ai eu ça quand je suis pris sur Internet. C'est pendant les jeux, des fois je me donne une chance ou deux ou trois. Là. Surtout quand je suis pris, mais là. Y'a rien à nouer dans cette salle-là, on s'en fout. Bon, il pogne la roue. Qu'est-ce qu'il fait avec? C'est ça que je suis curieux. Qu'est-ce que j'ai pas vu? Qu'est-ce que j'ai manqué? Qui est stupide encore. Ben non! Ben c'est ma faute aussi. J'ai perdu 24 minutes sur quelque chose qui prend 15 secondes. Je l'avais vu en plus. C'est moi qui ai juste perdu dans mes commandes. Je savais que c'était ça. C'était... J'ai venu ici tantôt, mais là... J'ai pas fait la bonne... Fait que j'appuyais là, là. C'est juste ça. J'ai été tantôt, mais je savais plus comment utiliser les objets. C'est un peu ma faute, là.
J'oublie d'écrire. Ah, y a des All gars. right. I got eyes on town hall. Oh, j'ai un nouveau gun. It's close. J'ai les yeux sur le de ville, il est proche, alors je vous fais pas tuer au dernier obstacle. Montez ces collines et vous y êtes. Merci de m'avoir prévenu, mon vieux. Oh, quand vous voulez. Bon, j'ai 4 guns. Ok. Ouais, je pense qu'on va manquer tout ça. Putain, il tire d'où? Je vais me cacher pour essayer d'avoir un visuel. C'est lui. Là. Collé, c'est là qui me tirait. Thank you.
des bits ça ou quoi? C'est quoi qui fait ce bruit là? Pas ce bruit là, c'est un, c'est quoi? Putain, il est où? Il y en a un qui est plus loin là-bas là. Ouais, toi, elle doit nous gasser. La première fois, je joue un émoticône de même avec des 1, c'est pour ça. Oh, calice. Ok. Là. Ouais, place-toi de nouveau. Qui me tire de haut? Ah, il y a un lot. Puis en haut là. Péter la face, tu vois.
T'es en train de me courser, toi? Oh, Nick, t'es pas vu, toi? Ok, on peut monter encore. Je crois que j'ai trouvé l'hôtel de ville. Vous savez, je suis à fond, assez curieux de savoir ce qu'il y a là-dedans après toutes ces années. Avec un peu de chance, pas trop de choses qui peuvent me tuer. Merci pour les crottes de caribou, mon cher papillon. Oh yeah! Enfin, je me rends à l'hôtel de ville. Je suis à l'hôtel de ville. Je crois. Une bouteille de vie là. Salut Gwen. C'est ça le jeu industriel que je te parlais l'autre jour, je t'ai supposé jouer, finalement j'ai disparu. Pourquoi je peux pas ouvrir la porte? Ah, ok, faut que je vois par là. D'habitude, ils donnent quand même l'option d'ouvrir, puis ça s'ouvre pas, ça s'ouvre pas. Là, mais... Correct. Je peux sauvegarder. Non, ça fait zéro peur. Oh. No one's here. Il n'y a personne ici. J'aurais été plus surpris du contraire. Jette un coup d'œil. Alors, on dirait qu'il a pris le train vers la côte au nord de la ville. La chapelle de la dune, bien sûr. Comment y aller? Eh bien, il y a un train dans la station de l'hôtel de ville. Il faut le remplir d'eau et de charbon, mais ça devrait encore fonctionner. Ok, je pars tout de suite. Attends, vous devez traverser le vieux canal pour atteindre les portes de la ville. C'est un no man's land. Personne n'y est allé depuis longtemps. Eh bien, est-ce que j'ai d'autres choix? Merci de me prévenir, mais je dois y aller, quoi qu'il arrive.
Eh bien, je dis juste pas que vous n'avez pas prévenu. Il y a un train à la gare que je peux utiliser pour me rendre à la chapelle. Et toi, comment ça avance dans ton jeu de God? En fait, c'est mon jeu, ça. C'est un jeu qui est en fait sur moi. Le Dieu. Mais c'est... En fait, c'est un de mes fils. Pour moi, je suis Dieu. Ça, c'est Dieu de la guerre. Comme un jeu en dessous de moi. Il y a 4 ans, des travailleurs forestiers ont vu apparaître ces étranges silhouettes quelque part à l'ouest d'Akavik. Et les rumeurs parlaient d'une lumière bleue, bien que l'histoire ressemblait presque à un conte de fées pour moi, j'ai toujours le sentiment que cela pourrait avoir un rapport avec la nouvelle source d'énergie. L'un des ingénieurs qui a construit la machine m'a parlé d'une lumière bleue similaire. Des outils ou des meubles disparaissaient du jour au lendemain lorsqu'il travaillait sur la machine. Une autre chose étrange s'est produite aujourd'hui, ici même. Je suis entré dans mon salon et j'ai trouvé une cage avec un oiseau qui chantait sur mon bureau. Comment diable la cage est-elle arrivée ici? Qui se joue de moi? Je dois me débarrasser de cet oiseau. Il chante toute la journée et je peux à peine me concentrer. Comment entendre Gwen parler? Oh mon Dieu, sans crotte de caribou! Merci, Camp Papillon! Oh yeah! Oh yeah, des crottes de caribou. Est-ce que tu fournis le papier de toilette aussi? Communément appelé le papier cul. Partie sauvegardée. Je peux sauter là, mais ici, qu'est-ce que je... Ok, il n'y avait plus de chemin. Ah ouais! Ah, il y a une échelle en face. En fait, l'histoire commence, c'est à peu près pendant en Allemagne, pendant la fin de la Deuxième Guerre. La Deuxième Guerre mondiale est terminée. Et il se passe quelque chose. Son mari à elle, il travaille dans un laboratoire, puis il dit qu'il n'y a rien qui va bien. Il travaille sur l'intelligence artificielle. Puis elle sait qu'il y a une machine, une espèce de machine bizarre. Enfin, il va.
Ben, ça passe, son mari est parti, fait, elle veut le rejoindre, fait, elle rentre dans la machine elle aussi, puis c'est une machine à comme voyager dans le temps. Puis là, elle est revenue là, mais... Ben, ça passe que le maire... Ah, ça a pas marché, j'ai mal tiré ou quoi? Le maire de la ville, puisque la guerre est pognée, l'espèce de bandit, ben elle reconnaît la voix, c'est son mari. Mais là, elle sait pas trop ce qui se passe. Là. Elle essaie de le retrouver. Oh, lisse. Amener, c'est de quoi ça? Aïe aïe, mes oreilles, ça fait de mal ça? T'es fort, t'es fort. Quand tu trouves des objets pis t'avances, c'est correct. Hein? Bon, allez, encore sa boîte. Ah, là, j'ai plein d'énergie, c'est rare. On peut monter là. Tu vois? Je pense que je l'avais manqué. En moche, les robots, on dirait un jouet qui a été démonté puis refait. De l'intelligence artificielle. C'est tous des robots plus intelligents que toi. Ah là là. Je suis drôle. Munitions en pleine, lesquelles?
va te faire faire l'amour ce soir. Moi aussi, je t'aime. Ah, c'est là-bas, regarde. Non, moi, j'ai tout tué ça pour rien. Pris 10 ans. J'ai pris une heure de plus que toi. Moi, j'y jouais qu'une heure par jour. Pendant toi, tu y jouais 6 heures par jour. Que je dois y aller à pied? Non. Une feuille de papier. J'ai réussi à parler à quelques représentants du peuple et je les ai tous convaincus de voter contre le nouveau projet Industria. Nous sommes tous préoccupés par le fait que les rencontres dangereuses avec Atlas, comme les appelle Rosendale, sont liées à la grande machine de l'Institut et non à la Verwaldstadt, comme l'affirme Rosendale. Nous avons de bonnes chances d'arrêter la machine. Si nous parvenons à trouver plus que personne qui sont contre la politique de Rosendale, depuis novembre de l'année dernière, je trouve régulièrement d'autres de ces oiseaux en cage dans mon appartement. Quoi que je fasse, ils surgissent de nulle part. Du jour au lendemain, je ne sais pas quoi faire à ce sujet. Joseph Oswald. Merci pour les crottes de caribou, papillon. Oh yeah! Oh yeah, gros merci! All right. I'm good to go. Bon, je suis prêt. Good. Et pendant que vous vous battez pour sortir d'ici, je pense que je vais aller mettre de l'eau à bouillir. Well, it's so nice to know that someone's got your back. Ça fait plaisir de savoir que quelqu'un couvre mes arrières. De rien. Ça fait plaisir. Bon. Je peux appuyer là-dessus. Regarder autour de moi. Il n'y a rien. Et j'appuie là-dessus. Qu'est-ce que tu fais, papillon? Tu couches-tu bientôt, toi?
Non, c'était tout. Pour l'aventure du jeu Industria live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!